Avance au vlog, jour 140, bienvenue dans un auberge de jeunesse dans la ville de Hardin. Ça nous a pris 5 heures de bus pour venir ici, ce qui est pas si pire, mais la route a shaké beaucoup. Puis, tu sais quoi, j'avais un truc de sirop d'érable dans mon sac que ma mère m'avait emmené. Puis, ben, ça l'a ouvert, puis là, j'ai du truc de sirop d'érable partout. Il n'y en a plus vraiment dans la bouteille. J'ai perdu le reste du sirop d'érable. J'ai réussi à en prendre juste un peu avant qu'ils disparaissent tout. Fait que j'ai apprécié un peu de sirop d'érable. J'ai aussi peut-être liché les objets remplis de sirop d'érable. Puis on a aussi peut-être manqué le bus aujourd'hui quelques fois avant de prendre le bus de 5 heures. Ça, c'est comme les affaires négatives. Dans le positif, on était allé faire un ride de téléphérique qui était super belle. Passer par-dessus la jungle et on avait une belle vue de Medellin. Mais là, on n'est pas à Medellin, on est à Jardin. Puis c'est de ça que ça va parler dans cet épisode 2. Avance au vlog! Prends ton ami, on va avoir du fun. Aujourd'hui, hey, Thierry Lumain et Harold le Flamand, le fun n'arrête jamais. Avance au vlog! Avance au vlog, jour 141, et bienvenue dans un champ de bananes. On monte pour aller voir une statue de Jésus, toujours en Colombie, toujours à Jardin. Un partenaire de voyage marche plus que moi. En tout cas, elle apprécie la marche plus que moi. Ce qui fait que ben, je marche beaucoup plus. Ce qui est correct, c'est bon pour la santé, tu sais, pis tout. Parce que c'est à pic, puis parler en même temps, c'est pas évident. Si on était faire un autre genre de téléphérique, mais lui, il était plus louche. On va voir des oiseaux, apparemment, l'après-midi. Et c'est une fantastique journée de voyage. Demain, on a un site prévu qui a l'air vraiment cool. Fait que je suis hâte à ça. Beaucoup de bananes derrière moi. Et on se voit demain. Ciao! Avant de son vlog, jour 142, et bienvenue dans un après-marche de douleur de pied. Parce que j'ai dû faire ça avec mes water shoes. Puis ça fait mal aux pieds, marcher longtemps là-dedans. Je ressens les roches beaucoup. La bonne nouvelle, par contre, j'avais besoin de mes water shoes parce qu'on est allé voir une chute d'eau qui était fantastique dans une grotte. On s'est juste même baigné un peu, aux effrettes. J'ai emmené Harold, on était monté comme en gang, on était 7. Puis il reste juste moi qui reviens en tuk-tuk. Note que j'ai fait quand même genre le full-on 3 heures de marche. Je pense plus. En tout cas, j'ai fait la full-on marche escalade de toutes les affaires pour se rendre là. Eux, ils veulent redescendre encore plus loin pour se rendre jusqu'au village à pied. Moi, j'ai dit depuis le début que j'allais pas faire ça. Eux, ils ont dit aussi, mais maintenant, ils feel comme marcher. Fait qu'ils vont marcher, puis je vais payer le plein prix d'un tuk-tuk tout seul. Ce qui met un peu de l'eau sur mon sandwich, mais tu sais, c'est ça qui arrive. Oh non, ça a l'air d'être un Jeep en plus au lieu d'être un tuk-tuk, ce qui charge plus cher. Ah, on se voit demain. Aventure vlog, jour 133. Bienvenue sur le balcon. De ma chambre. J'ai fumé les affaires aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait. Fait qu'on va faire une transition parce que moi, il faut que j'aille me coucher. J'ai un bus demain. J'ai totalement oublié de filmer, mais je viens de m'en rappeler. Juste avant d'aller me coucher. Fait que ça compte pour ma vidéo. Transition. Bye. Adventure vlog day 144 and welcome to Salento. We walk in with big backpacks. I'll have to put subtitles in French under me, but it's for you to understand. And Thank Balto. You. And Balto, yeah. Yes, we have it's Balto. English, of course. Yeah, of course. He's not a Spanish dog. He's been following us for a long time, Balto. With the hopes of getting very precious lemon chips. Not as well as vinegar, but it's good.
Not salt and vinegar, but salt and vinegar, anyway. Anyway, the hostel is like a kilometer, no, 2.2 kilometers from the city, and there was a flood on the road that we haven't seen yet, but that's why we cannot take a taxi. So we are walking. It's a lot of exercise these last day, and tomorrow, see you for more exercise. Bye! Avant ce vlog, jour 145. Et bienvenue devant plein de palmiers qui sont vraiment grands et c'est fantastique. Et on a monté vraiment longtemps. Puis je me suis probablement foulé la cheville, sérieusement. Fait que on checkera ça. C'est beaucoup de marche. Apparemment, on va prendre ça off demain, ce qui devrait être cool parce que je suis assez essoufflé de mes marches. Yeah, on est allé voir des colibris aussi. Y a-t-il quelque chose d'important? Oui, y a quelque chose d'important. On est arrivé ici en Jeep. Puis on est comme monter sur le Jeep. Genre, derrière, on s'accrochait. Tu vois les vidéos en ce moment, t'as une espèce d'idée de comment ça s'est passé, là. Bref, ça faisait aussi partie de l'aventure. C'était cool. C'est toujours pas tant cher que ça, la Colombie. Ben, des affaires fantastiques. Puis on se voit demain! Aventure vlog, jour 146. Bienvenue dans la chambre, à Solento, en Colombie. Aujourd'hui, on a pas fait grand-chose, puis c'était fantastique. Parce que j'avais tellement mal partout. Je le ressens encore un peu dans la cheville droite. Fait que j'espère que ça va se calmer la douleur des chevilles. Mais on n'a pas fait grand-chose. On était en s'est dit, on va voir le coucher de soleil. Puis finalement, il a vraiment plu quand c'était le temps du coucher de soleil. Fait qu'on n'a pas été le voir parce qu'il n'y a même pas du soleil qui était en train de se coucher. Fait que, ben, du montage est fait. Un épisode de sortie de retard, mais c'est correct. C'est pas la fin du monde. C'est toujours le fun. On change de destination demain. Puis demain, c'est un nouvel épisode. C'est assez un bon timing. Les chiens sont pas contents. Les chiens sont vraiment pas contents que ce soit la fin de l'épisode. Mais moi, je suis content que j'ai pu me relaxer pendant une journée. À la semaine prochaine. Bye. Yes.